Ok, donc vous avez quitté au petit matin le port de Kyudengotei à bord de l'Izan, donc le navire de Yoritomo Yae. Miyamoto Shinji, toi tu t'es parti avec elle. Direction plein sud, toi tu as pu, de ce que les pêcheurs ont dit, tu as pu regarder sur tes cartes, puisque tu as beaucoup de cartes maritimes de l'archipel, quelques-unes des côtes de Rokugan. Tu as pu repérer la zone, c'est au sud, faut compter à peu près, faut faire presque une centaine de kilomètres, vraiment plein sud. Vers, bah, même si tu as repéré de ce que le pêcheur t'a expliqué, tu as situé la zone près d'une grande île, même si sur la carte, ta carte qui est relativement précise, il y a plein d'îlots dans ce coin-là. La zone risque d'être assez étendue pour faire tes recherches. D'accord. Est-ce que à bord du Kobune, on a des petits canaux après pour pouvoir caboter Ouais, vous sur avez. ces îlots? T'as peut-être. T'as deux canaux. D'accord. Et combien de temps il faut à peu près pour faire cette centaine de kilomètres? Ça dépend évidemment du temps et des conditions, mais à Ouais, peu là. près. Il va te falloir probablement une. Peut-être. Ouais. Un jour et demi, peut-être. Peut-être plus si jamais tu dois naviguer contre le vent. Mais une bonne journée et demie, minimum. Très bien. Bah, du coup, je fais mes relevés par rapport au temps qu'il va faire pour prévoir, ajuster par rapport au vent et organiser bah, le travail des hommes, les quarts, prévoir pour qu'on puisse continuer à avancer, à naviguer même de nuit pour arriver au plus vite sur cette zone. D'accord. J'ai une petite question, c'est quel va être le rôle de Shinji à bord du bateau? Est-ce que tu lui donnes quelque chose à faire? Moi, je demandais si je pouvais être utile. Bah, moi je vais attendre de voir parce qu'il m'a quand même précisé qu'il avait été beaucoup malade en arrivant. Donc je vais pas lui demander non plus l'impossible. Voilà. Je lui ai fait préparer avant de partir quelques herbes, quelques Oui, ça sert à rien. petits remèdes pour lutter contre le mal de mer. Donc déjà on va voir si ça fait effet ou pas. C'est pas la peine de lui demander de se mettre sur un ouvrage ou sur une tâche même simple si il est en train de rendre son petit déjeuner. Alors, le truc, c'est que toi, tu avais voyagé plusieurs jours, tu as débarqué. Au total, tu es resté à peine, même pas 2 jours à terre. Là, tu es remonté tout de suite sur un navire. Même après Yae t'a filé des herbes. Et je crois que tu les avais prises très rapidement. Alors, est-ce que tu commences à t'habituer? Est-ce que ces herbes commencent à faire effet? En tout cas, tu te sens moins barbouillé que ces derniers jours. Ce qui fait que tu serais capable de faire quelque chose sur le bateau sans trop de problèmes. Après, voilà, il n'a pas non plus spécialement l'habitude. Toi, tu sais quelles tâches tu pourrais lui confier sans que ce soit dangereux, sans que ce soit des tâches qui sont forcément faites par des marins aguerris. Donc, voilà. Bah, je me place avec les novices, puisqu'on en a régulièrement, à qui on confie des tâches telles que nettoyer le pont, ranger des choses, aller vérifier certainement dans l'espèce de soute où on entrepose les provisions, que tout est bien attaché, bien fixé, qu'il n'y ait pas de rongeurs ou nuisibles dans les denrées. Donc voilà, je lui confie quelques tâches comme ça. D'accord. Alors, savoir que sur le bateau, mis à part toi et ton second Tadaka, seul vous êtes samouraï, tout le reste de l'équipage, enfin les hommes d'équipage, ne sont que de simples des Aimin, de la caste des paysans. Du coup. Je suis sûr de vouloir nettoyer.
Du coup, ouais, y a, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a, des trucs, tu sais, que tu ne donneras pas. Par contre, veillez à ce que ce soit attaché en dessous, veillez à que les provisions, enfin, regardez ce que ça donne sur la liste des provisions. Ça, je pense que je peux. Très bien. Et voilà, j'ajuste. De sans perdre mon statut. Effectivement, donc j'ajuste. D'accord. Et pour dormir, en fait, bah, y a que toi qui a une espèce de, qui a une pièce de quelques mètres carrés. Qui te sert de et de bureau entre guillemets, mais aussi pour dormir. Tadaka, lui, bah, je sais pas, est-ce qu'il a une place particulière pour dormir dans le bateau? Est-ce qu'il dort avec les hommes d'équipage? Moi, j'imaginerais plutôt qu'on partage cette pièce, c'est-à-dire qu'on se relaye pour dormir, puisqu'on ne dort pas des nuits complètes, mais on dort quelques heures, donc on se relaye, c'est peut-être ce qu'on fait aussi. Donc, d'accord, bon, ça va être un petit peu exigu, mais au moins tu dormiras pas avec les hommes d'équipage. Ce que j'apprécie grandement. Ouais, et puis il faut dire que quand il fait beau, les hommes d'équipage ont tendance à dormir sur le pont. Quand il fait moche, ils dorment en dessous, mais voilà, on va dire que niveau odeur, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Très bien. Vous voyagez pendant déjà une bonne journée. Alors comme j'avais dit, il y a une tempête qui avait un peu frôlé tout l'archipel, mais qui n'avait pas frappé de plein fouet. Il y avait juste plu, pas mal de vent, mais le plus gros était passé bien plus loin. Ce qui fait que la mer est encore quand même relativement agitée. Le ciel est bien couvert pendant ce jour de traversée. Et alors que vous entamez votre deuxième jour de voyage, vous arrivez sur à peu près la zone, vous commencez à voir quelques îles. Alors parfois il y a des îlots, ça doit faire même pas 3 ou 4 hectares de superficie. D'autres îlots beaucoup plus grands, beaucoup plus vastes que ça. Vous commencez à distinguer aussi au loin quelques navires, alors plus des petits navires de pêche. Qui restent aux abords des îles. Sur les plus grosses îles, il y a de temps en temps, vous voyez des panaches de fumée, probablement il y a quelques cabanes au bord de l'eau, quelques villages de pêcheurs. Bah, dès que je vais croiser les premiers bateaux de pêcheurs, je vais demander à ce que une petite embarcation aille leur poser des questions pour leur demander s'ils n'auraient pas vu c'est Lichibouzen dans les parages, s'ils auraient reconnu bâtiment. Donc je peux envoyer Alors t'es même pas obligé de descendre les bateaux, parce que les on les, peut petits, les, croiser, les petits navires de pas... pêche ah, les petits navires D'accord. de pêche vous les croisez en mer, ils sont en train de pêcher, vous savez. Mais que on peut s'approcher d'eux sans au niveau des manœuvres, ça va? Oui, oui, oui. Après, même si vous restez à distance, tant que vous êtes à portée de voix, vous pouvez D'accord. échanger. Tu sais que dans cet endroit-là, il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent avec des nasses qui descendent mettre au fond. Vous êtes dans des endroits aussi où le fond n'est pas si... Voilà, il y a peut-être une quinzaine de mètres seulement... Et tu sais qu'il y a aussi quelques récifs de coraux. Il y a des pêcheurs de perles aussi dans les environs. Même si ça peut être relativement dangereux, puisque c'est dans un coin où la mer est plutôt... Il peut y avoir des requins, ce genre de choses. Il y a aussi d'autres créatures. Vous n'êtes pas si loin que ça de l'outre-monde. Il est déjà arrivé que des gens, des pêcheurs ou même des marins parlent de créatures d'animaux difformes qu'ils auraient aperçus. Donc voilà, c'est pas non plus des mers. Les mecs qui pêchent, qui vont plonger ou ce genre de truc, voilà, c'est quand même, c'est pas si serein que ça. D'accord. Et bon, vous avez tous entendu parler des légendes des Ningyo, donc des espèces de créatures aquatiques. Vaguement humanoïde, mais mi-poisson, mi-humain. En gros, des espèces de sirènes, mais voilà, c'est pas des bustes de femmes et des queues de poisson,
c'est couvert d'écailles, c'est relativement moche, c'est pas spécialement gentil. Et aussi, vous avez déjà entendu parler de des orochi, donc des espèces de serpents de mer qui peuvent atteindre plus de 20 mètres de long, qui en règle générale vivent plutôt en eau profonde, même si ça s'est déjà vu. Et puis bon, il y a tout un tas d'autres histoires, peut-être de pieuvres géantes, de trucs comme ça, voilà. Toi tu le sais très bien, les marins, ils ont toujours des tas d'histoires à raconter. Souvent, ils aiment bien en rajouter aussi. Bien, bah, quand nous sommes à portée de voix d'un bateau de pêcheurs, je leur demande s'ils n'ont pas vu un bateau et je leur décris les Shibuzen. D'accord. Alors, je te cache pas que les quelques personnes que à qui tu poses la question au début, tu sens qu'il y a quand même une espèce de méfiance. Mm-hmm. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les environs autour des îles, surtout des petits îlots qui ne sont pas très très habités, il n'est pas rare de croiser des wakos. Mm-hmm. Les wakos, c'est comme ça qu'on appelle les pirates. Et les wakos, souvent, ils s'installent dans des zones qui sont très peu peuplées. Ça peut arriver qu'ils aient des planques ou des trucs comme ça, et ça les dérange pas de s'attaquer à des pêcheurs pour leur piquer leur pêche de perles ou ce genre de trucs. Donc il y a une certaine méfiance quand même au début, même si quand ils remarquent que toi et Tadako vous arborez tous les deux le mon du clan de la menthe, peut-être que ça les rassure un petit peu. D'accord. Ils se disent, on est face à d'honorables samouraïs. Tu questionnes deux ou trois bateaux de pêcheurs, avant que quelqu'un te dise, commence à peut-être te donner une piste. Il te dit, il y a quelques jours, quand c'était en pleine tempête, j'étais là-bas, il t'indique un village de pêcheurs qui se trouve en bordure de plage. Et on était là-bas, il nous semble avoir vu au milieu de la tempête, on a vu un bateau là-bas. Et puis, comme ça, alors, il était relativement loin, mais il avait l'air d'être un peu mal en point, d'être un peu penché. D'accord. Bon, je le remercie. Je jette, si je peux, une pièce ou deux pour le remercier de son aide. Tu veux leur jeter des pièces, peut-être pas forcément. Mais de toute façon, ils t'ont rien demandé. Je sais bien, mais pour montrer que voilà, je les remercie de leur geste et que. Et la zone qu'il t'a indiquée, c'est une zone où il y a. Il y a plein d'îlots. D'accord, je me dirige dans cette direction, j'approfondis la carte pour vraiment être vraiment prudente par rapport aux récifs, aux eaux peu profondes. Je me demande, est-ce que tu as une compétence particulière pour ça? Mais oui, j'ai une navigation. Eh bien, tu vas me faire un test de navigation. Eh oui, tu m'avais dit que c'était pas. À la base, c'était pas trop ton fort. Tu laissais faire ça aux autres. Alors, c'était ça ou non, c'était ça. Donc, tu observes tes cartes, voir un petit peu. Elles sont suffisamment annotées pour avoir quelques indications sur des endroits où il y aurait peut-être des hauts fonds, des récifs, ce genre de choses. Tu as fait combien ? 18. 18. Tu repères à peu près un chemin pour rejoindre cette zone-là. Maintenant, vu la quantité d'îlots qu'il y a à cet endroit-là, ça va vous prendre un paquet de temps pour patrouiller la zone. Est-ce que du coup, on a
Alors, longue vue, ce genre de choses, qu'est-ce qu'on peut utiliser Des longues vues, c'est... Alors, longue vue, ça pourrait être possible. Par contre, il faut savoir que c'est un objet gaijin, que tu n'es pas censé posséder, mais bon. On ne sait jamais, hein. C'est... Après tout, vous faites... Vous avez une ville où... Enfin, il y a un port où vous accueillez des étrangers. Il y a même un quartier étranger là-bas. C'est un peu une hérésie au sein de Rokugan, mais... Oui, mais bon, après... On peut partir... Si tu me dis que oui, tu l'auras acheté... J'en sais rien, je sais pas, mais peut-être que c'est des choses qui sont un peu communément admises. C'est rare. Non, les longues vues, c'est quand même des objets assez rares, même si... Oui, tu pourrais avoir ça. Non, bah alors pas forcément. Non, mais du coup, est-ce que je peux quand même poster des hommes en hauteur? On a quand même des voiles. Ah bah oui. Donc il peut quand même y avoir quelqu'un. En vigie. Ah bah oui. Puis le... qui, voilà. Donc est-ce que tu peux. Je sais pas qui m'arrange. Il va pas laver le pont, il va faire la vigie. Pas rester longtemps, moi, je le dis. Shinji, il a peur de monter. Ah non, il aurait pas peur de monter, mais je suis pas sûr. Bon, si, il peut tenter. Après tu me diras. Après, t'es pas obligé. Je suis pas un marin, donc ouais. Est-ce que monter en vigie sur une mer un peu agitée? Il y a un marin, même peut-être Dako, il peut, quand il entend ça, tu lui proposes, il dit, tu fais comme t'as qu'à faire comme tous les nouveaux, hein. Tu prends une corde, une fois que t'es monté là-haut, tu t'attaches au mât, comme ça, ou si t'as peur de tomber. Je vais faire ça. Dans ces petites îles, si votre navire était en difficulté et c'est un endroit où vous iriez vous mettre à l'abri. Tadako. Tadako, il regarde la carte et en mangeant, il est en train de manger un fruit. Il y a des criques par là ou... Alors, il y a quelques criques naturelles, il y a pas mal d'endroits où il y a quelques plages aussi. Donc oui, potentiellement, il pourrait y avoir des endroits de repris. Et du coup, j'en profite pour lui demander aussi, est-ce que... qui est-ce qui conduisait... Était le capitaine le capitaine de l'Ichibuzen. Alors, le capitaine de l'Ichibuzen, il... Alors le truc c'est que non, c'est... Ah, toi tu connais le navire. Alors tu connais peut-être le nom du capitaine. Ah non, ouais, tu m'avais dit non, en fait toi ça fait pas longtemps que t'as repris les trucs. Non, mais si je ne le connais pas, Tadako qui est quand même plus expérimenté, je m'appuie sur lui. C'est un peu c'est un peu notre arrangement tacite, c'est que il sait que je suis devenue capitaine depuis il y a peu. C'est pas ma formation première, du coup il sait très bien que j'ai repris contrainte et forcée cette charge, et que du coup je compte sur lui, et en échange en fait je lui fais confiance et je lui rends toutes les informations, toute l'aide qu'il m'apporte. Il me traite pas comme quelqu'un, comme un capitaine comme une capitaine incompétente, ou il me fait pas ce genre de reproche, parce que du coup je le valorise, je suis plutôt je lui laisse beaucoup plus de liberté quand il est à terre ou quand il est sur le bateau qu'avec un autre capitaine. Donc je pense qu'il y a un peu un rapport Ouais, tu lui fais vraiment confiance. Voilà, je me repose vraiment sur lui. Il sait que j'ai besoin de lui, mais en même temps, je lui fais confiance. Et du coup, ça lui sert un peu de passe-droit. C'est-à-dire qu'il sait qu'avec moi, il a plus de liberté. Il a plus de latitude qu'avec un capitaine. Donc, quand tu... Ouais, il a l'habitude aussi que tu lui demandes son avis. Voilà. Tu vois que... Chose qu'il ne pourrait pas exprimer avec un capitaine expérimenté.
Tu vois que quand tu lui as posé la question, il venait de croquer une grosse bouchée de... Une grosse bouchée et... Il a la bouche pleine. Il finit sa bouchée. J'en ai plein la bouche. Il recrache un pépin par-dessus le bord du bateau. Et il te dit, il me semble que c'est le Kitahashi. D'accord. Et du coup, Kitahashi, est-ce qu'il a des relations? Est-ce qu'on a des négociants, ou des vendeurs ou des acheteurs sur cette île ou dans les environs? Non. Vous faites beaucoup de transports, beaucoup entre le clan de la menthe et le continent. D'accord. Et très souvent, parfois vous allez rarement jusqu'au chantier naval. D'accord. Ça vous arrive de temps en temps d'aller au port qui est partagé avec où on peut trouver facilement des gaijins. Malheureusement, j'ai plus le nom du village en tête. C'est pas grave. Donc là, pour moi, il n'y a pas forcément. Ah, dans ce coin-là, non. Pour Tadako non plus. D'accord. Bah, du coup, on va commencer à chercher à. Shinji qui est en hauteur et qui va pouvoir nous donner des éléments de... Shinji va nous faire un global. Test de perception et enquête pour voir s'il repère quelque chose. Bon, perception. Très bon, perception. Oui. 14. Bon, est-ce que c'est parce que le temps est un peu couvert? Il y a un petit peu de roulis, t'as pas trop l'habitude, t'es perché là-haut, tu t'es ligoté au mât pour ne pas tomber. Et puis je vais être sûr que le bateau ne heurte aucun récif, alors je regarde un peu ce qui se passe autour du bateau, peut-être pas assez loin. Mais pas forcément très très loin, voilà. Effectivement. Et puis entre les petits points, les petites taches, le vert, le baron, on sait pas trop si c'est des îles ou des bateaux. On cherche des petits rochers, on sait jamais, hein, parce que je voudrais pas que le bateau... heurte un récif, mais en fait il y a des vagues, du coup les bosses que je vois c'est pas des rochers, c'est des vagues en fait. C'est compliqué en fait. Voilà, il est pas... Non, Shinji il est pas très très efficace là-haut, ou alors il y a peut-être non plus... Voilà, tu vois juste quelques navires, mais des petits bateaux de pêche comme tu as vu jusqu'à maintenant. En tout cas, le fait est que... Alors, je vous les signale tous, par contre, hein, les bateaux. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, on va se rendre par rapport à ce que Tadako pense être les endroits les plus sûrs ou les plus simples pour accoster en cas de difficulté ou pour... voilà. Donc, on va d'abord aller voir ces endroits-là. Tout en posant toujours la question aux pêcheurs que l'on croise... Voilà, on leur pose toujours la question, est-ce qu'ils ont vu un grand navire qui semblait en difficulté? D'accord, bah très bien. Bah, écoutez, ça, la deuxième journée avance comme ça. Shinji repère rien de particulier. Quand tu reposes quelques questions, tu as confirmation qu'ils ont vu... En fait, ils ont vu plusieurs navires. Plusieurs gros navires... passer dans les environs. Peu de temps avant la tempête ou au moment de la tempête. Et est-ce qu'ils peuvent me décrire ces bateaux à peu près? Non, c'est des gros bateaux. Est-ce que ça peut être plus précis? Il y a quand même... c'est des gros bateaux, alors ils les ont vus de loin. Même si à un moment donné, tu as quand même un pêcheur qui dit... moi, j'ai vu un bateau, mais par contre... j'ai vu un bateau, mais il était un peu bizarre. Les voiles étaient... Enfin, le bateau, il n'était pas comme le vôtre. C'est-à-dire?
La coque était pas pareille, les voiles étaient pas pareilles. C'était pas comme le vôtre, quoi. Ça m'évoque quoi? C'est des Wako, des Gaijin? Il y a des bateaux Gaijin? Ah bah bien sûr, oui. D'accord. Naturellement qu'il y a des bateaux. Alors je lui décris un bateau Gaijin. Est-ce que ça ressemble à ça? Donc on part du principe que tu en as déjà vu des bateaux Gaijin. Bah oui, si j'ai peut-être fréquenté plusieurs fois le port, au moins sur des dessins, sur des estampes ou des représentations. Ouais, d'accord. Je te dirais bien quel type de navire t'as déjà vu. Alors juste aussi pour indiquer, faut voir que les Gaijin, dans ma version, dans ma vision de l'Elsaka, il faut voir que les Gaijin, ça va être à peu près époque, ça va être équivalent 16e siècle. Mm-hmm. Donc voilà, c'est typiquement, si c'est simili européen, ça va être des trucs comme des galions, des trucs comme ça. Mm-hmm. Mais il peut y avoir d'autres navires, hein, vu que c'est pas notre monde, ça peut être autre chose. Donc tu penses que... des galions, des caravelles, ce genre de... Ouais, d'accord. Non. Non, alors du coup, je lui décris plutôt un navire Wako. Les Wako, souvent, ils ont des kobunets, des trucs comme ça, comme le tien. Oui, tu disais qu'ils avaient des bateaux qui étaient un peu différents, qui se démarquaient un peu. Oui, c'est dans le sens où... il y en a certains certains Wako qui peignent leur bateau, d'autres qui arborent des voiles colorées ou avec d'accord. un gros symbole dessus pour. Du voilà. coup, je lui explique ça et je lui demande si c'était ce genre de choses. Non, il était bizarre, il n'était pas comme votre bateau. Il n'y avait qu'une seule voile, mais. Non, il n'y avait qu'une seule voile et il était très effilé. Mais voilà, il me dit, moi je l'ai vu vraiment au loin, il était alors, presque à l'horizon. Est-ce que je peux faire un... Là, avec le peu d'informations qu'il donne, c'est... Et j'ai pas souvenir que mon père m'ait parlé de bateau Gaijin avec une seule voile, ou de bateau à une voile, ou d'autres clans. Des bateaux avec une seule voile et filet un peu différent des vôtres. Le problème, c'est que ça pourrait s'appliquer à presque tous les navires Gaijin, donc c'est trop vague. Et t'as pas assez. D'accord. De... Ok. Bon, je le remercie et on poursuit dans la direction qu'il nous a indiqué où il a vu partir ses navires. D'accord. Ça marche. L'après-midi avance, tu vas pouvoir me refaire. Si tu es toujours à la vigie ou tu redescends toi, Shinji? Je pense qu'à un moment donné je vais faire relayer, il doit y avoir aussi des équipes. Oui. Oui. Alors après il y a aussi des mecs qui sont au niveau du pont qui eux aussi scrutent l'horizon. Donc Oui, j'espère qu'ils comptaient pas que sur moi. Non, pas non. Mais tu peux scruter l'horizon du pont. C'est ce que j'allais dire, oui. on va pas te laisser là toute la journée en espérant que tu vois quelque chose, c'est certain. Oui. Voilà, je pense qu'il y a eu un roulement de puits peut-être, mais... D'accord. Écoute, si tu me dis que tu continues aussi quand même à jeter un petit coup d'œil, tu peux... Bah oui, il va falloir que j'apprenne, parce que toi aussi, une fois que je suis redescendu, je vais essayer de repérer du bas ce que repèrent les gens du haut pour savoir ce qu'il faut repérer en fait. Ouais. Toi aussi, tu peux, vu que toi tu pilotes ton navire, tu peux aussi, t'as forcément le regard à l'horizon, tu peux aussi jeter un œil. Donc en enquête, c'est ça? Ouais. Euh, 26, avec un petit point de stress parce que je suis au taquet, je crois. Ouais, et écoute, vas-y, je te laisse noter ton 18 ton point avec de stress. Un stress. D'accord. Très bien. Et c'est toi qui repères quelque chose, Shinji, effectivement. Alors que le jour est en train de descendre tout doucement.
il reste plus que à peine une heure de jour, tu aperçois, il tend à apercevoir des trucs qui flottent à la surface de l'eau, entre au milieu d'un petit chapelet d'îlots. Je fais signe qu'il y a des débris, enfin je signale qu'il y a des débris. Et alors que vous vous approchez, effectivement, tu te rends compte que, vous vous rendez compte tous, que ça a l'air d'être, ouais, c'est des débris. C'est des débris de navires, clairement. Et il semblerait, toi tu l'as, t'en étais pas sûr. T'en étais pas sûr jusqu'à ce que vous approchiez, mais on dirait qu'il y a un corps accroché. Au niveau d'un gros morceau de bois, d'un gros débris de truc, il y a l'air d'avoir un corps accroché. Bah, je donne l'ordre d'aller le récupérer dès que j'en ai été informé. Aux amis, s'il y a un bateau. Vous êtes approché de ce débris flottant. Ouais, un morceau de bois, il y a un corps qui est agrippé dessus. Le morceau n'était pas suffisamment grand pour qu'il puisse entièrement se mettre dessus, donc il y a, vous voyez en fait le haut du corps, les bras, et apparemment il s'est... alors est-ce que lui-même s'est attaché, s'est encordé comme il pouvait pour rester accroché au morceau de bois, ou est-ce qu'on l'a accroché dessus? Ça, pour l'instant, vous savez pas. En tout cas, bel et bien un corps. Et donc les émines, avec des perches et des crochets, commencent à ramener. Et essaye de soulever le truc. Vous vous rendez compte en fait qu'il y a juste en dessous du, enfin les jambes ont disparu. Les jambes ont disparu. C'est juste de la charpie en dessous de, vraiment sous la cage thoracique. Il n'y a plus rien. Alors cet homme, il a l'air d'être. Il a l'air de. D'être comment pirate ou. C'est plutôt Waco. Le problème, c'est qu'il était torse nu. D'accord, donc, il n'y a pas de signe, pas de vêtements, rien du tout. Alors, une fois, s'il y a quelques marques, quelques tatouages, un peu de marin, voilà. Mais ça, ils en ont tous, non? Il y en a beaucoup, ouais, il y en a beaucoup qui ont des Du coup, tatouages. J'interroge mes hommes d'équipage en leur demandant, est-ce que vous reconnaissez un marin de l'Ichebouzen? Ils viennent tous commencer à regarder un petit peu... tu me lances un des 10, plus tu t'approches de 10, plus oui, il y aura quelqu'un qui connaîtra. 3. Il y a plusieurs types, les marins qui regardent, il y en a un qui fait... Non, c'est pas lui. Du coup, par rapport un petit peu à la culture marin... Ça se fait de laisser le corps d'un marin dans la mer ou est-ce qu'il faut lui donner une sépulture correcte comment tu vois par rapport à nos croyances? Bah, normalement, pour tout samouraï, normalement, il y a une cérémonie de crémation. Pour les Aimin, ils ont tendance à faire à peu près la même chose. Là maintenant, bon, vous avez un demi-corps, vous savez pas qui c'est, vous savez pas si c'est un samouraï, si c'est un Aimin, est-ce que c'est même peut-être un état, donc c'est les états, c'est la caste des gens qui touchent les cadavres, ce genre de trucs, qui sont voilà, aussi respectés que des animaux. Là, vous en savez pas trop. Et puis le corps ça fait clairement quelques jours qu'il est dans la flotte. Bon. Alors après, peut-être que par non seulement il a été, il a été probablement mangé. Par les requins, entre autres. Mais en plus, le visage a été pas mal attaqué. Il y a toutes les parties molles, ils sont venus manger les yeux et tout. Est-ce que on a aussi des mesures un peu de prévention, d'hygiène, les maladies, les pourritures, genre de choses? On évite peut-être sur les bateaux de. Ouais, et puis là, franchement, garder un cadavre comme ça avec vous, ça se fait pas. À la limite, ce que vous feriez peut-être en temps ordinaire, c'est peut-être emmener le cadavre sur un îlot et faire un petit fagot de bois et le mettre à brûler là, mais rien de plus quoi. D'accord. Bon, après on est quand même dans une situation urgente, on n'a pas trop de temps à perdre non plus, donc voilà, on va rester concentré sur ce qu'on a à faire.
Du coup, je cherche par rapport au courant, par rapport au fait que ce soit des débris qui ont... Comment ? Flotter, qui ont flotté à remonter la direction la plus probable par rapport au courant. D'accord. Alors ça, tu vas me refaire encore un test de navigation pour repérer ça. Par contre, comme je disais, la nuit est en train, enfin le jour est en train de, enfin la nuit est en train de tomber tout doucement. Naviguer de nuit, surtout que c'est assez couvert, donc vous n'avez même pas. Si vous n'avez même pas toutes les étoiles ou la lune pour vous éclairer, c'est vraiment très couvert. Ça, la nuit risque d'être très sombre. Et là, vous êtes dans une partie où il y a pas mal d'îlots. Parfois, il y a même des îlots. Il y a juste, ça fait à peine, c'est juste une langue de sable qui affleure à la surface. Il y a un ou deux arbres dessus et c'est tout. Donc ça, c'est un petit peu dangereux de naviguer comme ça. Alors, je pose la question à Tanako. Parmi les débris. Est-ce qu'il y a des pièces de navire identifiables? Oui, c'est un morceau de bastingage. D'accord. Il te dit voilà, il te montre hein, sur votre kobuné, il dit ça ressemble à un morceau là. Ouais, effectivement, c'est vraiment le bastingage du bateau. Un morceau sur lequel un navire pourrait continuer à naviguer. Oui. Oui, c'est. Par rapport au test de navigation pour connaître la direction du. Des débris, j'ai fait 15 avec un stress. D'accord. Tu penses resserrer la zone de recherche grâce à ça. Par contre, ça t'a pris un peu. Le stress, ça peut être aussi juste parce que ça t'a pris pas mal de temps de réfléchir à tout ça. Et y a, d'un autre côté, tu as aussi le côté urgent de la situation. Vous avez peut-être un navire qui a des difficultés, qui est perdu et tout. Puis peut-être des membres d'équipage blessés ou mal en point, etc. Ouais, alors du et coup, surtout, j'ai fait amarrer. Voilà, surtout la nuit qui tombe, voilà. Ça peut devenir dangereux. Je vais donner ordre de jeter l'ancre et de conduire le navire à un endroit propice pour la nuit. D'accord. Parce que autant la nuit dernière on a pu naviguer parce qu'il y avait assez de fond la nuit et se relayer, autant là on va pas prendre de risques. C'est pas. Voilà. D'accord, très bien. Donc, du coup on met le bateau. Enfin vous mettez le bateau à l'abri près d'une petite île, c'est ça? Je cherche l'endroit le plus propice. Si on peut amarrer là où on est, une petite crique, effectivement. Et du coup, est-ce qu'on en profite pour ce corps-là, le faire débarquer pour une petite Je pense qu'on l'a laissé. Je pense qu'on l'a vraiment laissé. Du coup, moi, une fois qu'on a jeté l'ancre, que tout le monde commence à manger, etc., pouvoir se reposer, parce que du coup, là, mis à part... vous restez sur le navire ou vous allez à terre pour... Non, on reste sur le navire. Restez sur là, le navire. Avec ce qui s'est passé, moi je suis pas tranquille, j'ai pas envie que tout le monde. De toute façon, c'est juste pour dormir et repartir. On est dans l'urgence, on va pas perdre du temps à débarquer des trucs, les provisions, machin, monter un campement, ça va nous prendre plus de temps. Par contre, du coup, on va en profiter pour se reposer un petit peu parce qu'on a peut-être pas mal avancé rapidement la nuit, donc on s'est peut-être pas beaucoup reposé. Et là, du coup, on peut poster moins de monde en surveillance, parce qu'il y a quand même toujours quelqu'un, surtout, on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Il y avait un corps à la mer, il y a des débris, on ne sait pas s'il s'est fait attaquer, s'il est en difficulté. Il va falloir qu'on soit tous, tous d'attaque. Mais du coup, je mets quand même suffisamment d'hommes pour se relayer toute la nuit. Pour veiller et donner l'alerte en cas de besoin cette nuit. Et les autres peuvent vraiment dormir, manger, se reposer. Parce que la nuit dernière, on a... D'accord. Ouais. On a souqué ferme, quoi. Du coup, moi, je note aussi bien, avant tout, sur la carte, la direction, la zone de recherche resserrée sur laquelle on va se rendre dès le lendemain matin. Et je regarde la voie la plus sûre aussi. Je gagne du temps pour le lendemain. D'accord. Je poserais bien la question aux marins qui ont repêché le corps. Comment il a pu tenir aussi longtemps sur,
sur le débris. Il s'était pris dans des cordages et du coup il était resté. Alors, ouais. C'est une sorte de ligne de vie comme j'avais utilisé moi là-haut pour éviter de tomber. Apparemment, c'est ça. En fait, c'était même pas une corde, c'était un morceau de sa, probablement un morceau de sa ceinture qu'il a dû utiliser. D'ailleurs, il y a un ou deux marins qui t'expliquent ça. Ça leur est déjà arrivé d'être sur un bateau qui a eu des problèmes, ils sont tombés. Et en fait, pour le morceau de bois qui flottait n'était pas suffisamment grand pour qu'ils puissent entièrement se mettre dessus. Donc, bah, il arrive que quand c'est comme ça, pour éviter qu'au bout, au bout d'un moment, à cause de la fatigue, tu lâches prise et que tu commences à. Tu finis par couler. Et bah, ça peut arriver que les gars, avec ce qu'ils peuvent, au moins s'attachent un poignet comme ils peuvent au morceau de bois pour dire d'être accroché à quelque chose pour éviter de couler. Donc, ça a l'air d'être ça, puisqu'il a, en fait, au final, il avait que un seul poignet qui était attaché. Donc non, c'est pas. Ouais, c'était plus pour probablement pour se maintenir accroché au bout de bois pour éviter de couler. Qu'est-ce que vous faites un truc de particulier le soir ou je sais pas ce que vous mangez ensemble ou. Il y a quand même Tadako qui amène un plat avec de la nourriture pour vous parce que vous ne mangez pas forcément avec les hommes d'équipage. Et, il pose ça au milieu de vous. Donc il y a beaucoup. Toi, tu n'as peut-être pas forcément l'habitude de cette façon de faire. C'est vrai que là, il ne s'embarrasse pas. Chacun n'a pas son assiette. Il amène juste un grand plat avec plein de trucs à manger dedans. Tu pioches avec tes baguettes directement dedans, alors que toi, tu as peut-être été plus habitué à avoir chacun son petit plateau et tout, forcément. Sans que ce soit le grand luxe, oui, chacun avait au moins ses affaires. Mais du coup, dans ma tête, ça contraste avec le côté exubérant qu'on a vu en arrivant à la capitale et tout. Là, on se trouve sur des choses beaucoup plus simples, c'est un contraste rigolo. Étonnant. Et Tadako te. Il pose le plat, il se sert d'ailleurs, il a tendance à se servir un petit peu trop, puis après il se rend compte qu'il y en a un peu, donc il remet 2-3 trucs. Et on fait sûrement des espèces de combats de baguettes quand on veut le dernier morceau, qu'on veut un morceau de plat. D'accord. Et du coup, il dit Shinji-san, je précise un truc. C'est que normalement tu t'adresses à quelqu'un par son prénom que quand c'est entre amis, on va dire. Tadako, il t'a appelé Mirumoto Shinji-san à peu près pendant 2 heures et après il a laissé tomber le truc. Hein. Il t'a appelé directement Shinji-san. Il a très vite laissé tomber l'étiquette. D'ailleurs, toi, il t'appelle Yae-san, à moins qu'il t'appelle capitaine. Non. Yae-san, c'est bien. Yae-san. Shinji-san, alors, comment se passe ce premier. Ce deuxième voyage. Ma foi, pour l'instant, bien, malgré. Les inquiétudes que tout le monde semble avoir ici pour le navire disparu qui transparaît à travers l'équipage et l'ambiance n'est pas festive et c'est tout à fait logique, mais le voyage se passe bien. Compliqué de dire que ça se passe bien dans cette ambiance. Non, puis le. Par contre, un bon coup d'œil, puisque oui, c'est toi qui as repéré les débris d'assez loin et tout ça. Oui, je... Peut-être que le stress de ne pas être utile ou de m'a motivé à chercher et à regarder un petit peu dans tous les sens.
Ah, ça, une après-midi tout en haut du mât à scruter les environs, hein. Ça aiguise les sens. Yaesan, vous avez prévu quoi lorsqu'on aura retrouvé l'Ichibuzen? Parce que j'ai entendu Natsuke-sama parler d'une cargaison qu'il fallait surtout absolument récupérer, mais j'ai entendu parler, il a parlé de 6 caisses, mais le reste de la cargaison, le navire en lui-même, il avait l'air d'être surtout intéressé par la caisse, caisses. Bah, lui ne m'a parlé que de ces fameuses 6 caisses très lourdes qu'il fallait absolument ramener le plus vite possible. Après, moi, je m'inquiète aussi de l'équipage, de l'état du navire. Donc, plus on en ramènera et mieux ce sera, à mon sens. Après, la priorité, ça reste les 6 caisses parce que si pour Natsu c'est important, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Mais nous verrons en fonction de ce que nous trouverons. Après, il faut être paré, à mon avis, à toute éventualité. Je ne sais pas si ce n'est que la tempête qui a endommagé le navire, s'il a été attaqué, si il y a eu... alors, je ne sais pas si ça se fait ou pas, mais une mutinerie, ça m'étonnerait, mais... Ouais, c'est quand même un peu... Après, il y a peut-être aussi des histoires de complot, de disparition de cargaison, de partie de cargaison qui... Voilà, enfin j'en sais rien, mais bon. Donc après, je lui dis que voilà, là je lui explique que ma démarche d'avoir resserré la zone de recherche, qu'on va se rapprocher au plus près, qu'en fonction, voilà, on va vraiment agir en fonction de ce qu'on va trouver. Je peux pas... Je vais pas échafauder 15 plans de bataille sans savoir d'accord, ce qui nous attend. Non, une mutinerie avec Kitahashi à la tête du bateau. Ah, c'est Kitahashi. Pourquoi je t'ai dit quoi tout à l'heure? Tu ne m'as pas dit. Si, je t'ai dit le nom du... je te l'ai dit tout à l'heure. Ah bon? Oui. Bon, excuse-moi. Kitahashi. Et toi, tu le... Kitahashi, tu connais bien ou... Non, je le connais pas bien, je le connais de nom. Je le connais de nom et je le connais de réputation. Je savais qu'il travaillait pour votre père, mais je savais pas exactement sur quel navire. Maintenant, ça m'étonne pas que votre père lui ait confié l'Ichibuzen. Parce que... Ouais, parce que c'est le plus gros navire de sa flotte, enfin de votre flotte, maintenant. Mm-hmm. C'est le plus gros navire et c'est celui qu'il aurait... qui... Ah bon, on peut pas dire que ce soit... Il est un petit peu sévère, mais... Par contre, c'est un bon capitaine. Et le... Voilà, je... Ça se disait au sein des équipages, c'est... Souvent, c'était à lui que votre père confiait les missions les plus importantes et les plus dangereuses aussi. Très bien. Et vous n'avez jamais entendu parler de... Si, évidemment. Je le sens complètement. Alors, tu as entendu... alors, est-ce que c'est de ça qu'il voulait parler Tu as entendu, il paraîtrait que le... Ouais, Kitahashi, en fait, tu connais de nom, tu sais que c'est un bon capitaine qui bossait pour ton père, mais... J'en sais pas plus, parce que c'est tout un tas de choses que je n'écoutais pas forcément. Donc... Alors, tu sais juste, enfin, parce que tu te souviens vaguement, et alors tu n'es même pas sûr que c'est peut-être lui, mais il paraît que ton père avait, une fois, été engagé pour envoyer un navire pour aller y déposer en urgence quelques personnes, quelques unités du clan du crabe.
Alors que voilà, le navire, il y a un capitaine qui était à Sunda Mizumura, donc le port le plus important de tout le clan du crabe, et à qui on a confié la tâche d'aller déposer plus d'une trentaine de bouchis crabes sur les rives de l'Outre-Monde. Et ouais, un capitaine qui aurait eu les tripes de le faire. D'accord. Donc est-ce que c'est lui? T'en es pas sûr, mais vu ce qu'il vient de te dire. D'accord. Bon bah sur ce, notre repas terminé, on va boire une petite lampée de saké et puis dormir. Mmh. Du coup, je vais dormir en première et après Tadako, je lui demande de me réveiller et voilà, que soit lui, soit moi, soit présent. Là, je vais monter la garde pour qu'il dorme. Ben, voilà. D'accord. Je suis plus bouchi pour une fois, je me sens un peu plus à ma place. Je dis, ah, ça, je peux. Bah, c'est sûr que oui, monter la garde par rapport à. Tout ce qu'on a fait dans la journée m'intéressait et voilà, j'étais curieux. C'est peut-être ça aussi qui m'a stressé. Mais là, le bateau, il est amarré. Enfin, pardon. Il est ancré. Il bouge quand même. pas trop. On est dans un endroit plus calme qu'en pleine mer. On me demande de surveiller. Il y a de la mer, mais pas trop. Voilà, je suis plus. Plus dans mon élément. D'accord. Et la nuit se passe tranquillement. Il ne se passe rien du tout. Et au petit matin, alors que le jour est tout juste, le ciel est en train de changer de couleur, que les marins à bord du bateau ont déjà commencé à s'activer un petit peu. Il y en a certains qui sont en train de préparer de quoi se restaurer pour le matin. Donc on sent une odeur de friture. Oui, parce qu'en fait il y a quelques marins, dès que vous avez jeté l'ancre, il y en a quelques-uns qui ont sorti des cannes à pêche pour pêcher un peu quelques poissons pour manger. Et donc là au petit matin, vous avez du poisson grillé qui frit sur le pont. Donc voilà, vous êtes réveillé par l'équipage qui se réveille. Et très vite, cette odeur de poisson frit. Très bien, bah on déjeune rapidement. Et puis dès que c'est fait, je donne à Tadako les indications, la zone de recherche. Et on repart très très rapidement. D'accord. Vous allez pouvoir me refaire un petit test de perception et enquête afin d'essayer de retrouver où est l'Ichibuzen. Toi aussi, hein, tu peux me faire Shinji, tu peux faire le test aussi si tu veux. Regarde, je t'ai piqué. Pardon. J'ai cru que t'avais confié de santé. C'est pas grave. J'avais fait un truc pas terrible en plus. Je crois qu'il n'y avait pas plus de 8. Ah oui, d'accord, pas plus de 8, ok. Je crois. Et un stress. Tu peux noter. On les récupère. Pas la nuit. Non, pas la... D'accord. Pour savoir si je crois qu'il y avait... Ok. 15 et un stress. De toute façon, dès que je surveille, ça me stresse. D'accord. Ok. Tu as dit 15. Ouais. La matinée se passe. Vous cherchez, vous sillonnez en passant entre les îlots et tout ça. Et rien. Jusqu'à ce que toi, de nouveau, tu aperçoives. Regardez, hein. Tu aperçoives des. Ouais, quelque chose, des caisses qui flottent. Qui flottent dans une zone entre deux îlots. Et vers midi,
Alors, parce que t'en as vu quelques-unes, mais pas tout d'un coup, tu vois. T'as vu une ou deux caisses, et puis vous avez commencé à suivre cette direction. Ah, je vous les signale, oui, parce que vu qu'on vous les avez récupérées. Oui, on les récupère. Est-ce qu'on les identifie comme Oui, c'est oui, c'est ça porte le sceau de l'affaire de ton affaire maintenant. D'accord. Donc, bel et bien des caisses qui devaient être sur le Lichibouzen. Alors, je fais le tri, hein, si c'est... Après, ça dépend de ce que je peux prendre comme... surplus, en termes de poids et de... Bah, vu que vous étiez parti un petit peu en mission de retrouver un bateau qui avait disparu, récupérer sa cargaison, forcément, vous êtes parti avec les cales quasi vides. Oui, oui, non, mais après, ça dépend de... la taille des cales de mon navire et voilà. Ah, ton navire est plus petit que l'Ichibouzen, bah ça oui, c'est sûr. Voilà, donc on peut pas non plus tout récupérer. En tout cas, voilà, quelques caisses jusqu'à ce que vers midi, tu aperçoives, tu repères beaucoup plus un morceau de tissu, probablement une voile sur une plage. Beaucoup plus de débris et finit par se dévoiler à vous un navire à moitié couché sur le côté, sur une plage. Un navire en très mauvais état et que tu reconnais comme étant l'Ichibouzen. Moi je suis assez impressionné quand même par cette vision de bateau de cobouné échoué, et je pense que ça me fait vraiment quelque chose. Du coup, j'essaye tout de suite, une fois qu'il nous a signalé ça, d'identifier ce qui s'est passé. Avec Tadako, on regarde, on... Alors, essaie de savoir ce qui lui est arrivé. De là où vous êtes, l'Ichibouzen est quand même assez loin. Dans la mesure où le fond est relativement... Voilà. Il n'y a pas beaucoup de fond, justement. Donc, vous êtes en gros à peut-être le 200 mètres de la plage. Tu penses que tu pourrais t'en approcher à peut-être une centaine de mètres de la plage, grand maximum. Après, tu toucherais le fond. En fait, avant de m'approcher trop près, je veux voir, est-ce qu'il a l'air... d'avoir été criblé de flèches trop loin pour l'instant pour voir ça. Mais par rapport à la manœuvre qu'il aurait faite. Alors, vu comment il est, probablement dériver et s'échouer. D'accord. Maintenant, comme je disais, t'es encore trop loin pour faire des constatations plus précises que ça. Alors, du coup, pour pas mettre en... Alors, tous les hommes d'équipage sont là à la rambarde en train de regarder en silence. Hein, Du coup, je pense que par rapport, pour pas mettre en danger l'équipage, si jamais il y a quoi que ce soit, je vais demander à ce qu'on envoie un canot d'abord pour... observer, aller voir ce qui s'est passé, parce que si jamais il a été attaqué, il y a peut-être les wakos encore dans les parages, quoi. Vous envoyez des hommes d'équipage ou vous y allez vous-même? On va réfléchir. Posez-moi. Il faut que quelqu'un reste sur le bateau pour agir en cas de nécessité. Il n'y a que deux personnes qui sont capables de gérer ça. C'est toi et Tadako. Et il faut que l'un d'entre nous aille voir ce qui s'est passé. Donc soit Tadako reste sur le bateau, soit c'est moi qui vais. Donc, ça va réfléchir. L'espace aux alentours, est-ce qu'il peut y avoir un navire autre caché dans les environs? Ou est-ce que la vue est bien dégagée jusqu'au... C'est quand même assez bien dégagé. La plage fait plusieurs centaines de mètres de long. Ça monte en pente assez douce jusqu'à ce que ce soit vraiment l'orée d'une forêt de bambous et tout ça. Et
Donc non, là comme ça, s'il devait y avoir un navire dans les environs, vous le verriez arriver d'assez loin. Il ne pourrait pas se cacher, il n'y a pas de petite île en face où il pourrait se planquer derrière ou quoi que ce soit. Ce serait largement visible d'assez loin. De ce que je vois sur les cartes de là où il est échoué, je regarde par rapport à ce que j'ai comme information. Est-ce que du coup il y a des récifs, des écueils sur lesquels il a pu se planter? Se planter, ouais. Non. Non, non, là, toute la zone où il y a toute la plage, en fait, il y a juste des hauts fonds à un certain moment. Enfin, plus tu te rapproches de la plage. En plus l'Ichibuzen, s'il était rempli, mm-hmm. forcément il était beaucoup. Il y avait une ligne de flottaison, voilà. Et forcément, il n'y avait pas de récif ou quoi que ce soit. C'est juste que s'il s'est échoué. Oui, c'est d'accord. Donc c'est mis à part la tempête, ça reste un. Ah, par contre, oui. Un élément vraiment plausible par rapport à. Alors, surtout que vous voyez que toute la végétation autour là a l'air d'avoir subi quand même pas mal de dégâts. De ce que toi tu sais de la tempête a dû toucher ici là. Mm-hmm. Toucher sur cette île là. La tempête n'est peut-être pas entièrement passée dessus, mais en tout cas, ça a quand même déjà dû bien souffler ici. Et par rapport aux débris, au chemin qu'on a effectué pour le retrouver, ça semble cohérent aussi que ça ait dérivé dans ce sens-là. Oui, à peu près. C'est après, t'as pas non plus de. Non, mais c'est pas non plus. Non, c'est pas farfelu de penser. D'accord. Ok. Bon, bah, je propose que Tadako reste sur Lisanne et que. Shinji m'accompagne s'il le souhaite avec un groupe de marins. Tu vas mettre le pied à terre. Alors l'île où la plage où se trouve l'île avec le bateau, ça a l'air d'être une des plus grosses îles de ce petit archipel là. Mmh. Ça doit faire plusieurs. L'île doit faire plusieurs kilomètres. Donc c'est. C'est assez gros. Non, c'est pas la grande île là. C'est pas cette grande île là. Oui, ce que j'allais dire. C'en est une qui est un tout petit peu plus au nord de cette île là. C'est sur ta carte, c'est la plus grosse île qu'il y a au nord de ça. D'accord. Bon bah au fur et à mesure qu'on s'approche sur le. Tu as pris combien de marins avec toi? Bah le canot qu'on peut supporter combien de marins? Dans le canot, tu peux en mettre une dizaine. Ah enfin, ouais, c'est un gros canot, quand même. Ouais, oui, c'est. D'accord. Et il y a combien de marins en tout sur mon bateau? Je crois que je te l'avais dit. Je crois que. Au tout début. Ah oui. Oui. 15 marins. 15. Tu as raison. Hommes ou femmes? Tu m'avais dit. Oui, il y a hommes et femmes, il n'y a pas les. Donc, si nous sommes une quinzaine, on va laisser quand même minimum, je pense, une dizaine de marins sur le bateau pour pouvoir le manœuvrer, effectivement, au cas où. Et donc, il y a 5 marins et nous deux. Plus vous deux. D'accord. Ça marche. Vous dirigez, vous avez mis un canot à l'eau, montez dessus, les marins commencent à ramer pour vous emmener jusque la plage, et vous arrivez, le fond de votre barque frotte sur le fond de l'eau, sur le sable, et vous descendez, vous avez forcément les pieds un petit peu dans la flotte. Les marins attrapent le canot et le tirent sur la plage pour le mettre en sécurité. Alors l'Ichibuzen, il n'est pas entièrement sur la plage. Il y a quand même une bonne partie qui est encore en gros le bateau, il est encore le cul dans l'eau. Mm-hmm. Puisque du haut fond. Donc il y a une bonne partie qui est une bonne moitié qui est encore le cul dans l'eau. Mais il est effectivement un peu penché sur le côté. Il n'y a
Est-ce qu'il y a des signes de vie sur le bateau, de ce qu'on voit de là? Alors, là, comme ça, non. D'accord. Est-ce qu'il y a des signes de vie aux alentours, sur la plage? Non. Non. Alors, du coup, je vais laisser un marin au canot. Ouais. Au cas où, qui pourrait nous avertir si jamais il y a un problème sur l'Isane. Du coup, je ne sais pas s'il y a un moyen de communiquer en se faisant des bruits, des signaux. Est-ce qu'on a ça? Des drapeaux? Ouais, une torche ou un truc. Enfin, vous avez moyen. Un système de drapeaux pour se dire. D'accord. Et du coup, après, on part avec quatre marins et nous deux en direction du navire. De toute façon, vous avez accosté juste à côté du bateau. D'accord. Donc, vous commencez à inspecter, si j'ai bien... Mm-hmm. Et du coup, la question qu'elle se posait, est-ce qu'il y a des flèches, des... Alors, non, il n'y a pas de flèches. Alors, par contre, le bateau est d'un côté, il n'a rien, d'un autre côté, du côté qui est à moitié couché. Par contre, tu te rends compte qu'il est extrêmement abîmé. Il y a des endroits où le bois a éclaté. Il y a carrément des trous dans le bateau, dans la coque du bateau. Des trous, des trous comme ça. Peut avoir été causé par la tempête, des débris, des choses qui volent ou pas? Non, ça fait. Non, ça fait. Canon. C'est. Oui, sauf que vous, les canons, vous connaissez pas. Ah oui. Pardon. C'est dur de se défaire de tout ça. Alors, fais-moi un test de. C'est comment le savoir sans le savoir? Fais-moi un test de connaissance du clan de la menthe, à la limite. Tu vas peut-être entendre, au cas où tu aurais entendu certaines choses. 17. 17 Non, 16. Il y a un stress. Tu as déjà entendu... Alors, vous savez que les Gaijin, la première fois qu'ils sont venus et qu'ils ont pris contact avec Rokugan, ils sont arrivés par la mer avec d'immenses bateaux. Et avec eux serait arrivé ce qu'on appelle le poivre gaijin, une espèce de poudre incendiaire. Et notamment, certains marins gaijin utilisaient des armes à poudre que l'empereur de l'époque a tout de suite déclaré hors la loi. D'accord. Et la poudre noire, parce qu'il faut appeler ça... appeler un chat, la poudre noire a de tout temps été interdit au sein de l'Empire. Quiconque serait pris en possession de poudre noire serait tout de suite arrêté. Mm-hmm. Voilà. Maintenant, oui, tu as déjà entendu parler que certains navires Gaijin, et d'ailleurs, il y a eu une bataille. Il y a eu une bataille entre des Gaijin et des bateaux de Rokugan où ils ont fait usage donc de canons. Et donc ça fait des trous dans la coque de cette taille-là. Et ça fait des gros, ça peut faire des gros trous. Est-ce que ça laisse une trace particulière ou pas ou... Comme ça on voit un boulet de canon, il y a peut-être un... Il y a certainement des boulets de canon qui sont restés. Oui, mais hormis ça, de ce qu'on pourrait voir de l'extérieur. Ce que tu vois de ce que tu vois là. De ce que tu vois là, non, il y a rien d'autre hormis des trous dans la coque. D'accord. Notamment, il y a un trou qui se trouve sous la ligne de flottaison. Juste. Donc, je prenais l'eau. Alors, du coup, on va continuer à se rapprocher, à inspecter, à chercher, à savoir ce qui s'est passé, et puis savoir s'il y a des survivants. D'accord. Vous restez juste là, enfin, vous restez autour du bateau, vous grimpez dessus. Ça va être peut-être un petit peu casse-gueule, parce que le pont, il va être un peu en biais, mais c'est...
toi, pour toi, ça ne te posera aucun souci. Hein. Non, mais là, on a fait le tour de ce qu'on pouvait voir de l'extérieur. De l'extérieur, est-ce qu'il y a des traces de pas qui semblent sortir du bateau et aller vers autre part? Test de chasse. Toi aussi, si tu... sauf si tu t'intéresses pas au truc et que tu t'intéresses plutôt à... Je m'intéresse à comment je vais monter sur le bateau. Est-ce qu'on peut utiliser les trous pour s'en servir Bah, le long de la coque, il y a des petites planches qui sont aménagées exprès pour servir de pseudo échelle pour grimper. Donc, t'auras pas de soucis à... 19 et un stress. Ah, la situation est bien... Ouais. Dramatique. Je suis déjà en train de penser comment est-ce qu'on pourrait le ramener, tout ça, en même temps. Tu cherches et en fait, tu trouves des empreintes. Tu trouves des empreintes qui se autour du bateau. Il y a pas mal d'empreintes, mais surtout tu trouves aussi une piste d'empreintes qui s'éloigne vers l'orée de la forêt de bambou. Et aussi, tu as vu quelques traces sombres au sol dans le sable. Il se pourrait que ce soit des traces de sang. D'accord. Par contre, il y a l'air d'y avoir un sacré paquet de personnes qui sont... T'arrives pas à dire, ouais, il y a deux, trois personnes. D'accord. Non, c'est... Il y a énormément de monde qui est passé, qui a pris cette piste-là. Je vais monter à bord. Alors... Toi, tu étais en train de faire ça pendant que toi, tu regardais pour remonter. Est-ce que tu l'attends alors qu'elle est en train de fouiller un peu les environs? Tu l'attends avant de monter ou... Tu me fais un test de perception pure. Oui. Dix. Non, t'es resté à côté du bateau, tu la vois, elle fouille un peu partout. Donc tu finis par revenir. Donc je les avertis qu'il y a des traces de pas, peut-être avec des traces de sang qui s'éloignent et qui vont en direction de la végétation qu'on ira voir ensuite et qu'on va d'abord voir au niveau du navire et de la cargaison. D'accord. Donc je donne des ordres aux marins, ils sont quatre, il y en a deux qui cherchent très rapidement à bord s'il y a des membres d'équipage et qui font un rapide diagnostic entre guillemets de l'état du bateau, de ce qu'ils en voient. D'accord. Et deux autres qui vont voir au niveau de la cargaison. Et je dis qu'il y avait six caisses lourdes assez importantes qui sont scellées et je voudrais savoir si elles sont dans la cale ou pas. Et... Bon. D'accord. Alors. Moi, je pense que je vais avec un groupe et Shinji avec l'autre. Bon, qui va où? Je le laisse aller voir la cargaison. Ouais. D'accord. Du coup, la question que je me pose, parce que comme j'ai fait... Je passe aussi mon temps en ce moment à trimballer mon matos. Est-ce que on a l'impression qu'il y a des caisses qui ont été déchargées aux alentours du bateau? Est-ce qu'ils sont servis de treuil de... Non. D'accord. Non, t'as pas sur la plage aucune trace. En tout cas, toi, quand tu montes à bord du navire. Toi aussi, de toute façon, tu m'as dit que tu montais à bord du bateau, mais tu n'allais pas voir la même chose. Très vite, vous vous rendez compte que sur le pont, alors ça ne se voyait pas trop quand vous étiez encore au sol, sur le pont, il y a plein de taches de sang, et surtout, il y a des cadavres. Il y a une poignée de cadavres, clairement des marins, morts, c'est évident, ils se sont pris des coups de lame. Donc il y a
Il y en a un, il a même le bras tranché, ce genre de truc. Donc voilà, plusieurs cadavres qui jonchent le pont. Pareil, des dégâts aussi provoqués par ce que toi tu penses être des canons. Hein. Il y a des morceaux de bastingage qui ont été arrachés, tout ça. Et c'est le chaos là, le chaos sur le pont. Du coup, que faites-vous? Puisque jusqu'à maintenant vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire, mais. Alors moi, j'avertis par drapeau le marin qui est resté au canot. Mais le canot, il est à 10 mètres du bateau. Bah, du coup, je lui dis. J'annonce à tout le monde, attention, le bateau a été attaqué, on a affaire à des gens qui sont armés, organisés, qui ont des armes Gaijin. D'accord, bon, ça sent... Ouais. Maintenant qu'ils savent, ils peuvent pas non plus... Ils sont préparés, ils sont ce que voilà, c'est ça. Un homme averti en vaut deux. Mmh. Bon. Du coup, ensuite, je vais vérifier ce que je disais. Ah oui, non, ça c'est fait, donc maintenant la cargaison. Lorsque vous dirigez, donc c'est un kobuné, tu sais où diriger. Vous dirigez donc vers la cale. Et très vite, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur de la cale, il n'y a pas de cadavre. Il y a quelques caisses. Quelques caisses qui sont encore là, mais tu vois que tout a été ouvert. Certaines caisses, il y a des trucs qui ont été éparpillés au sol. Comme ça, un petit coup d'œil rapide, c'est de la marchandise, c'est pas de la marchandise de très très grande valeur qui a été fouillée, qui a été abandonnée. Par contre, il y a plein d'endroits où là il devait y avoir des caisses, ça c'est sûr et certain. Donc c'est bien, il y a 6 caisses. Et il y a aussi. alors, on ne sait pas ce que ça contenait, ça se trouve elles sont vides et on ne va pas savoir ce qu'on cherche. Et surtout il y a un endroit, alors au niveau du pont, tu sais, il y a une espèce de grille. C'est comme ça aussi les communes? Je ne sais pas, mais moi j'ai décidé que ça pouvait être comme ça aussi. Je verrais plus des panneaux en bois, moi. Oui, enfin, c'était sur le principe, c'est un truc sur le pont que tu peux ouvrir pour descendre des caisses. Et en dessous ce truc-là, tu vois des grosses traces sur le plancher, comme si il y avait quelque chose qui avait reposé pendant un bout de temps ici-là. Mais il n'y a plus rien. Et vous faites tous les deux un petit test de perception. Pur. 16. 21. D'accord. Toi, à un moment donné, il semble avoir entendu du bruit dans la cale. T'es pas sûr, il semble avoir entendu quelque chose frotter dans la cale. Et toi, non seulement t'as entendu du bruit, mais du coin de l'œil, dans le fond de la cale, là où on y stocke surtout les réserves de nourriture, d'eau douce et tout ça, il semble avoir vu quelque chose bouger aussi là-bas. D'accord, je prends mon kama, et ouais. J'approche discrètement. Cette direction. D'accord. Tu te diriges tout doucement là-bas. Shinji, tu fais quoi quand tu la vois sortir ses kamas et se diriger Je la suis main sur la gamme. D'accord.
Ok, je vais vérifier juste un petit truc. T'es presque arrivé à cet amas de tonneaux et de caisses. Le bruit que tu avais entendu se fait entendre et t'entends une cavalcade qui a l'air de se barrer dans le fond et essayer de. Et tu vois une silhouette. Alors là, vous êtes dans une espèce de pénombre, puisque il y a, mis à part les panneaux qui s'ouvrent pour pouvoir descendre des caisses, il n'y a rien d'autre comme source de lumière. Mais tu as vu une silhouette sauter sur les caisses. Partir en courant et aller se planquer un peu plus loin dans la cale. Une silhouette pas très très grande. T'as vu bras, jambes, la taille d'un enfant peut-être. Ok. Que faites-vous? Bah, je vais dire, nous ne sommes pas des wacos, nous venons juste voir l'état du bateau, c'est un des miens. Tu n'as rien à craindre. Pas de réponse. Tu peux sortir, on sait que tu es là. Bon, bah, je continue à avancer. D'accord. Il y a des sorties? Bon, bah, les trous dans la coque. Bah, l'escalier par lequel vous êtes descendu et ces espèces de double trappe au niveau du plafond qui s'ouvre pour descendre les caisses. Mais en tout cas, le truc le plus accessible, le plus pratique, c'est le petit escalier par lequel vous êtes descendu. Je vais faire en sorte de la suivre tout en restant dans le chemin entre sa cible et l'escalier. D'accord. Toi tu avances dans la direction où t'as vu la silhouette se barrer. Toi tu t'avances pour la couvrir et aller voir juste. Bloquer un truc. Ouais. Sauf que tu entends encore du bruit là où la première fois vous avez entendu du bruit. Il y a encore du bruit qui viendrait de. Il y a encore eu un grattement là-bas. Alors que la silhouette qui s'est enfuie à l'opposé du bateau. Donc c'est pas une mais probablement deux personnes. Et ben je vais jeter un coup d'œil de l'autre côté. D'accord. Donc toi tu continues à te diriger, toi tu fais en gros tu fais une demi-tour pour te rediriger vers la première source de bruit si j'ai pas compris. Ah mais j'ai pas envie de la laisser donc en fait. Je vais la suivre. D'accord, très bien, ça marche. Donc quand tu t'approches de l'endroit où tu as vu une silhouette s'enfuir, tu entends du bruit. En fait, en gros, la silhouette s'est enfuie vaguement dans la direction de l'escalier, mais a dû s'arrêter dans une espèce de recoin dans le fond de la cale. Et il y a une espèce de bruit. Quelque chose qui bouge, mais malgré le fait que tu aies dit de te sortir et tout ça, ça ne t'obéit pas. Je continue de la suivre, mais de guetter ce qui se passe et devant et vers la sortie de l'escalier pour l'empêcher. Et qu'est-ce qui pourrait arriver de derrière? D'accord. Je me rapproche, je vais toujours dans la direction du bruit. Et je rappelle, je redis. On ne veut de mal à personne. On vient juste voir, c'est mon bateau. Je veux savoir ce qui s'est passé. Là, techniquement, t'as plus qu'une espèce de grosse caisse, de gros ballots, alors peut-être un ballot de tissu. Et il y a du bruit derrière. Il y a juste ça qui te sépare de la personne qui s'enfuit derrière. Et quand tu regardes mieux, il y a en fait blotti vraiment dans le fond, tu vois une pauvre silhouette toute recroquevillée, mais tu comprends que c'est pas un humain.
tu vois deux grands yeux qui te regardent, un long museau, deux petites oreilles poilues. Et tu, en fait, une créature qui doit mesurer, tu penses que ça doit mesurer, ouais, peut-être 1m30, avec une tête de rat. Et ouais, effectivement, tu distingues une qui bouge un peu, qui fouette un peu l'air, une queue de rat, toute rose. Vous me faites tous les deux un test d'intelligence, sauf s'il y en a un d'entre vous, mais j'ai un doute, qui aurait de la connaissance d'Outre-Monde ou de la connaissance du clan du crabe. Ce dont je doute énormément. C'est un 1, le symbole. Bon bah 7. 7, ok. Tu gardes 2, c'est ça? Ah non, 8 et 1 stress. Du coup, là tu fais 3 gardes 3 avec 1 stress forcément. Alors non, c'est... Ouais. Le stress tu le gardes pas... Alors 8. 7. D'accord. Bah écoute, non, jamais entendu parler, jamais vu ce genre de bestiole. Une espèce d'homme rat. Tu vois qu'il y a une espèce de collier autour du cou, avec peut-être un bout de bois, un os, un truc comme ça. Il a comme une espèce de pagne autour de la taille, et il a juste une espèce de, comme une lame, probablement un couteau, un truc comme ça, à la ceinture. Et il met ses mains devant, ses bras devant sa tête pour se protéger. D'accord. Alors mon premier instinct, ce serait de reculer parce que j'ai aucune connaissance. Je ne sais absolument pas à quoi j'ai affaire. Mon statut m'oblige à rester droite comme la justice. Et en même temps, je perçois quand même que c'est... quelque chose qui est effrayé. Du coup, je vais prendre ça à mon avantage et m'avancer vers lui un peu menaçante et dire... je sais même pas si cette chose comprend. Je ne sais même pas si je lui parle ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, du coup, j'avance vers elle. Et j'attends un peu de voir ce qui se passe, comment elle réagit. Bah, tu l'entends couiner comme un animal apeuré. Vraiment... au sol, et tu te rends compte que au niveau de sa cuisse, la fourrure est fourrure grise, imbibée de sang, et il y a une plaie à sa cuisse. C'est toi qui a attaqué le bateau? La créature se met à couiner. Et mettre des petits cris, ouais, vraiment comme un rongeur. Et des claquements de langue. Mais non. Miromoto-san. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Est-ce que vous en avez déjà vu? Non. Regardez. Quelque chose de courant par ici? Mais non, absolument pas. C'est la première fois que je vois ce genre de créature. Elle est blessée. Elle fait sûrement partie de ceux qui ont attaqué le navire. En tout
cas, la pauvre bestiole, elle est complètement recroquevillée et terrorisée. Mais en fait, vous l'avez, vous vous rendez compte que vous l'avez coincée dans un, vraiment acculée dans un coin derrière une caisse. Elle a aucun moyen de se carapater. Ben, je vais m'approcher d'elle et la prendre pour la mener avec nous. Elle se met à hurler, pousser des cris hyper stridents. Je l'assomme. D'accord. Bah, pour moi, c'est une bête, enfin, c'est qu'une bête, hein, avec un petit couteau, mais pas plus qu'un état, quoi. Du bruit de l'autre endroit où il y avait du bruit, du coup. À la réaction, en réaction. Tout bruit, bah justement, bruit qui vient d'être fait. Tu vois, il y a une silhouette qui sort de l'ombre là où vous étiez intéressé la première fois et où tu avais entendu du bruit. Une seconde créature, comme ça, qui sort, qui s'appuie sur une caisse, se tenant le flanc et boitant dans votre direction. Même style de créature, une espèce d'homme rat qui doit mesurer à peu près 1m60 ou 1m70, avec une longue queue derrière lui, un pelage noir, mais au début, dans la pénombre, vous ne voyez pas bien, apparemment il y a des taches sombres peut-être à certains endroits, et surtout vous entendez une voix un peu étrange, ouais, c'est animal, mais ça réussit à articuler quelque chose. Et la créature s'adresse à vous, vous parle et vous dit pas taper, pas taper. D'accord. Tu comprends que... Et elle lève une main dans votre direction pour vous faire signe. D'accord, bien, pas taper. Alors je lâche son semblable au sol que je maintenais. Alors qui attend pendant quelques secondes. Je l'ai assommé. Hein. Ah oui, toi, c'est vrai que tu l'avais assommé. Il tombe au sol, hein, étourdi. Et je lui montre celui qui est au sol, pas mort, assommé. Bah, la créature s'avance vers vous, mais garde quand même une bonne distance de sécurité. Essaye de jeter un œil, voir, mais bon, bah, à sa distance. Je le laisse se rapprocher, je fais un pas en arrière. Ah, tu le laisses, ouais, d'accord. Ouais, okay. Je le laisse approcher de l'autre, vérifier qu'on dise la vérité. Il s'approche, il garde quand même, ouais, je dis quand même une distance de sécurité. Vous vous rendez compte que dans la pénombre, vous n'aviez pas bien vu, bah, la créature porte des morceaux d'armure, une armure légère, un peu dans le même style que la tienne, Shinji. Mmh. Et bah, il manque des pièces, des trucs comme ça. Pas mal des espèces de pendentifs avec des trucs qui brillent, mais alors il y a des objets qui n'ont pas... Enfin, il s'est fait un collier avec plein de trucs qui brillent mais qui vont pas ensemble. Voir des objets qui ne sont même pas des bijoux. Il y a une espèce de morceau de coquillage un peu nacré qui brille un peu à la faible lueur, ce genre de truc. Et surtout, vous vous rendez compte qu'il a, au côté, il a un wakizashi. Le fourreau est à moitié pété, on voit la lame qui est à travers le truc. Alors, et il se met à couiner dans la direction de son pote qui est allongé par terre. Moi, je suis vraiment sur mes gardes et du coup, je lui dis pas mort. Toi, attaquer le bateau. Alors qu'il a essayé de. Il a poussé un peu son pote pour voir un petit peu s'il était bel et bien assommé et pas mort. Quand tu lui demandes ça. Non, non.
Moi, pas bateau. Moi, pas attaqué. Qui attaquer? Homme marron attaqué. Et puis tu fais marron. En passant la main sur La son main dos. devant son vis, Enfin, la devant son. patte. Ouais. Non, c'est vraiment une comme une main un peu Ouais. griffue et couverte de poils. Donc ouais, on sent son visage. Homme marron et il te montre le haut de sa tête, enfin le haut du crâne et homme marron et tissu, beaucoup tissu. Alors, est-ce que ça m'évoque quelque chose, ça? Des hommes marrons avec du tissu sur la tête. Ah, des hommes marrons, des hommes à la peau marron, oui, tu as déjà entendu parler de Gaijin à la peau assez sombre. Et quand il dit avec beaucoup de tissu en te montrant, en désignant le crâne, tu as déjà vu un Gaijin vêtu avec une espèce de grand manteau assez ample, avec des manches amples aussi, et avec le, il s'était enroulé le crâne avec plein de tissu. Et cette personne-là avait effectivement une peau assez sombre, une espèce de barbiche taillée en pointe très noire. Et tu te souviens que cette personne-là avait aussi avait aux côtés, avait une espèce de sabre, mais avec la lame beaucoup plus large et beaucoup plus incurvée Une que katana. la courbe d'un katana. Et d'où viens-tu? Tu vois, il hésite un peu. Moi, lui, il a fait un signe comme quoi il serait descendu par les escaliers. Moi, lui, les crabes. Moi, lui, bateau, et tu vois qu'il fait comme il te mime comme s'il faisait des pas, c'est un peu feutré, un peu. Nous, cachés, et il désigne un endroit dans le fond du bateau. Nous, cachés, nous, pas le droit ici, mais nous, cachés. Vous venez de l'île? Ou vous étiez à bord du bateau quand il s'est fait attaquer? Il, quoi il? Vous avez vu des grandes caisses? Et des gens emmener ces grosses caisses? Et je lui montre, puisqu'il reste des caisses plus petites, vides. Puis je fais signe comme si elle s'était envolée, enfin partie par le grand trou. Oui. Tu vois, il réfléchit un peu et comme s'il cherchait un peu ses mots et bouger. Alors, tu sais, il tangue un peu sur lui-même. Bouger le pluie, tonnerre. Et il désigne des trous de boulets de canon. Tonnerre. Bateau. Il fait comme si le bateau était à moitié. Il était un peu En train penché. de basculer. Homme tissu. Tuer homme. Et il désigne le mon du clan de la menthe que tu as D'accord. sur ton kimono. Homme tissu tué, emmené, et homme tissu
et il désigne l'endroit où il devait y avoir ces fameuses caisses. Il désigne et il dit parti. Et il te montre la trappe par laquelle. Après bateau, je fais signe tanguer encore et puis bouger. Bateau, il est penché et puis il bouge plus. Homme tissu, venir tuer et nous cacher là-bas. D'accord. Et homme crabe. Homme crabe. Vous êtes arrivé crabe. Nous. Je lui montre mon mon et je lui dis crabe. Pas crabe. Pas crabe. Non, menthe. Pas crabe. Non, mais homme. Alors je lui fais un petit rond de ma main sur quelqu'un d'autre. Je dis homme crabe. Tu vois, il comprend pas. Non. Ah, oui, du coup, ils étaient là avant. Ouais, enfin, pendant que le bateau, bateau était en mer, ils ont subi l'attaque comme tout le monde. Et ils ont vu le pillage. Ils ont vu le pillage et le pillage s'est effectué après que le bateau soit échoué. Voilà. Enfin, échoué et attaqué. Et attaqué. Donc les traces qui partent du bateau sont probablement celles des gens qui ont attaqué le bateau et qui ont porté les caisses. Est-ce que tu sais ce qu'il y avait dans les caisses? Dans les grosses boîtes. Puis je remonte des petites boîtes. Il regarde dans la boîte. Et je lui montre l'espace vide. Il fait signe que... Non. Bon. Pas vu. On a fait le tour, je pense. Hein? Allez, vous partir maintenant. Il nous suit. C'est bon. L'autre a commencé à se réveiller. Donc, alors vous voyez que celui qui vous a parlé, il est quand même blessé. Il est blessé. Oui, oui, bah on va pas non plus. Il est blessé sur le côté. Tous les blessés, les estropiés du coin, ça va. Allez, vous partir. Et alors, il ramasse son pote. Et vous restez dans la cale ou vous ressortez du bateau? On va ressortir. Vous ressortez, bah les deux en fait finissent par sortir peu de temps après vous. Et ils ont l'air de discuter entre eux. Le plus petit, donc le plus craintif, bah, en même temps tu lui as collé un pain, tu l'as assommé, donc. Bah, il répondait à rien. Et quand ils sortent, pas de conversation. Tous vos hommes d'équipage reculent un peu. Bah, apparemment ils n'ont jamais vu ça non plus. Et par contre les deux quand ils sont sur le pont, ils sentent et tout ça, ils reniflent, ils regardent. Et celui qui parle... J'aurais presque envie de lui dire... Il y a peut-être une cabine par là, si ça ressemble à peu près à tout dire. Trouvez peut-être des bancs, enfin de quoi... moins faire un bandage à votre ami. Il te fait signe que non et où? Sur une île. Il fait signe encore qu'il comprend pas. Plage. Terre. Terre. Oui, ça, il comprend, mais... Bon, on a plusieurs gens, là. Je rassemble mes quatre hommes. Ouais. Je leur explique la situation. Donc, on va reprendre le canot, repartir sur Lisanne, expliquer à Tadako ce qui se passe, et réfléchir à qu'est-ce qu'on met comme plan d'action en route. Pour suivre la piste qu'on a découverte,
sachant que y a apparemment des hommes marrons en turban qui ont attaqué le bateau, qui ont pris les caisses et qui ont emmené l'équipage et qui ont tué la moitié de l'équipage. Alors, par contre, petite précision, de ce que vous avez vu, il n'y a pas que ces caisses-là qui ont disparu. Il y a une grande partie de la cargaison qui a été embarquée. Ce qui a été laissé, ce qui a le moins de valeur. Donc. Et du coup, on voit des traces du coup, de caisses descendues, transportées vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Enfin, en gros, vers la mer ou vers la terre. Maintenant qu'on sait que ça a été déchargé, a priori, sur la plage. Alors, le truc, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas... Ouais. Vous ne comprenez pas comment ça a été... Comment ils ont sorti les caisses. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces d'animaux ? De chariots ? Non plus. Non plus, il n'y a pas de traces. Les caisses sont pas là. 6 caisses lourdes et que des traces de pas. Mais beaucoup, par contre, beaucoup de traces de pas. Ouais, alors justement, moi je me demande en retournant sur le bateau avec Tadako, sur le Lishibuzen, il y a à peu près combien de marins ? Lishibuzen, il y en avait. Normalement, il y en a une trentaine. Mmh. Savoir que il y en a déjà au moins 5 ou 6 qui sont morts sur le pont. Au moins 5 ou 6, puisque ça avait possiblement repêché un. Après, est-ce que c'est peut-être pas forcément le seul qui soit tombé à la mer. Et parmi les morts, il y allait vers la barre que des. Des membres d'équipage Rokugani ou des. Oui, il n'y avait pas un seul étranger. Alors, ça semble quand même un petit peu dépasser nos compétences et numériquement, parce que ça veut dire qu'ils ont quand même maîtrisé un équipage de 30 marins aguerris. Voilà, donc il va falloir. Ils ont pu percer. Ouais. Ils ont des armes qu'on n'a pas, ils ont peut-être d'autres choses dont on ne sait pas se protéger. Donc je pense que la meilleure tactique là, c'est d'y aller très très discrètement afin de pouvoir les surprendre. Du coup, par la terre ou par la mer ? Là, les traces de pas, pour l'instant, vous n'avez vu que jusqu'à l'orée de la forêt. Ça a l'air de s'enfoncer, de ce que tu as vu, ça a l'air de s'enfoncer en pleine forêt. Maintenant, vous ne savez pas exactement sur les cartes, vous savez que là vous êtes sur une grande île. Par contre, la carte n'est pas très très détaillée de ce coin-là. Mmh. Donc, toi, tu n'y es jamais venu, donc tu ne sais pas est-ce qu'il y a un village de pêcheurs quelque part, tout ça. C'est l'inconnu. Bon. Ouais. Alors, faut être très prudent déjà parce qu'on n'est pas très nombreux. Moi, je propose qu'on recule un peu l'isane, qu'on le mette en retrait, pas qu'il puisse le voir et l'attaquer. Je ferais bien le tour de l'île aussi pour voir s'il n'y a pas leur bateau quelque part. Est-ce qu'ils l'ont forcément mis quelque part ? On va peut-être faire ça d'abord. D'accord. Donc vous relancez avec le navire pour contourner toute l'île. Vous étiez arrivé, je vous ai dit, vous étiez arrivé là en milieu de journée, je crois. Ouais. Vous avez découvert. Vous allez me faire tous les deux un test de perception et enquête pour essayer de. Alors que vous contournez toute l'île. 4. Perception, enquête. Ah oui, c'est.
39. 39. D'accord. Et toi? 4. D'accord. En fait, j'étais devant une nef avec mon dos. C'est exactement ça. D'accord, très bien. Ça s'appelle un groupe hétérogène. Je pense que c'est le fait de ressortir de la cale du navire. Il y a trop de lumière, les réverbations sur l'eau. T'as pas l'habitude encore. Les changements de luminosité, ouais, je vois plus rien. Bah, tu sais, c'est le temps que tu remettes le niveau, tu vois, c'est penché. Vous avez contourné une bonne partie de l'île quand alors, vous avez vu, il n'y a aucun village de pêcheurs dans le coin. Ça fait un bout de temps que vous n'avez pas croisé de bateau de pêche. Quand, alors que vous commencez à émerger derrière un gros bloc rocheux, toi, tu repères au loin deux canots qui sont à 200-300 mètres de la plage. Il y a deux canots à cet endroit-là et un petit panache de fumée. Sur l'île? Oui. Je regarde dans la direction dans laquelle, dans laquelle semble... Ah, par contre, là, ton bateau, il... Bah, je l'arrête. D'accord. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Ah bah oui. You. Fais du comme, tour. Vu que tu as fait 39, on va partir du principe que oui, tu l'as vu du très coup, rapidement et tu as tout de suite fait... Je m'arrête bien avant et je reste... un endroit où ça nous abrite du regard des canaux et d'un éventuel bateau. Donc je regarde la direction dans laquelle vont les bateaux. Je regarde un peu plus au large. Est-ce qu'il y a un grand navire? Il n'y a pas de navire. Par contre, tu penses qu'il doit y avoir possiblement une crique un petit peu qui s'enfonce un petit peu dans l'île, où il y aurait probablement moyen d'y mettre un bateau. Mmh. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mouiller l'ancre, mais un peu plus en avant, mais vraiment abriter des regards. On va débarquer vraiment discrètement et on va faire un groupe d'éclaireurs qui va aller voir de plus près ce qui se passe. D'accord. D'accord, ça marche. Le temps de manœuvrer, de trouver un endroit un peu plus discret, le jour est en train de décliner. C'est pas possible. Du coup, on sera plus discret. Le jour décline un petit peu. Oui, aussi. Ouais, vous avez mis une petite... voilà, une bonne partie de l'après-midi à faire le tour de l'île, à chercher tout ça. Donc là, il doit vous rester peut-être 2h30 de jour avant qu'il fasse nuit. Bah, du coup, on se dépêche, hein, parce que je rappelle à tout le monde qu'on est en temps limité. Donc, on organise pareil, un petit groupe vraiment restreint qui reste à bord, les autres qui viennent. On s'éparpille un petit peu, là on fait plusieurs équipes pour balayer très rapidement, chercher au niveau de la crique qui y a, combien de personnes, est-ce qu'il y a le bateau, etc. Alors, vous avez mouillé dans un peu à l'abri, constitué un groupe d'éclaireurs pour aller à la recherche. Vous y allez tout de suite Oui. Ok. Vous vous enfoncez en forêt en vous guidant à peu près dans la direction où toi tu penses qu'il y a peut-être une crique cachée. Ok. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Et on fera tout ça dans la prochaine session.